Mazé. Mon prince. Tu peux imaginer que la couronne est perdue. La couronne? Qu'est-ce qui est arrivé à la couronne? Ça, c'est un sacrilège. Qui a pris la couronne? Qui est là? Où sont passés les autres gardes? Ils sont sortis avec la princesse, mon prince. Oui, mon prince. Qui vous a permis d'emporter la couronne? Je veux que vous tous et tous les gardes puissent chercher ces couronnes. D'accord. Je veux que cette couronne soit retrouvée. Oui. Maintenant, hors de ma vie. D'accord. Hors de ma vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Où est partie la couronne? Neke, je ne crois vraiment pas que je saurais faire ça. C'est si difficile. Qu'est-ce pour qui moi. Est difficile pour toi dans cette affaire, non, Choma? Essaie un peu de te regarder et regarde-moi aussi très bien. Hein? Regarde-toi bien. Nous souffrons dans ce village. Hein? N'es-tu pas encore fatiguée? Neka, rappelle-toi que je sors avec Obina. J'aime le prince. Mais c'est Obina que j'aime le plus. Mais le problème est que Obina n'a pas d'argent. Hey, maintenant tu parles. Écoute, c'est très simple. Va juste chez Obina. Dis-lui que tu ne seras plus l'épouser et marie le prince, s'il te plaît. Tu sais, tu vas devenir la loulou de ce village, te dis ma chérie, franchement. Ah, pense-y, non. Fais-le, ma chérie, s'il te plaît. Va juste voir Obina hein, et discute avec lui, s'il te plaît. Fais-le, ma chérie. Es-tu sûr que ça va marcher? Tu n'as pas de choix. Vas-y seulement, hein. Convainc-le, tu n'as pas de choix. Je dois te le dire, oh. Ha! Ok, alors laisse-moi voir ce que ça va donner. Oh, ma chérie, te fâche pas. Souris pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît, mon amour, je n'apprécie pas ce que tu me fais. Non, je n'apprécie pas. Mais pourquoi tu me fais ça? Obina, sérieusement, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais qu'est-ce que tu fais avec le prince? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec le prince? Tu me fais mal. Tu me fais vraiment mal. Obina. Obina, tu sais que je t'aime. Mais en même temps, j'aime aussi le prince. S'il te plaît. S'il te plaît. Je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime beaucoup. S'il te plaît, quitte ce prince. Quitte-le, s'il te plaît. Construisons notre futur ensemble. Reste avec moi. Je te promets que je ne vais jamais te décevoir. Reste avec moi, s'il te plaît. Je Obina, vais t'épouser, Obina, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête ça. Tu es très pauvre pour m'épouser et tu le sais. Hein? Tu ne peux pas m'épouser. Juste, regarde, il y a des mouches partout. Hein? Je ne peux pas t'attendre à ce que je vienne vivre avec toi dans cette taudis. Juste, regarde la maison. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je vienne vivre avec toi dans ces lieux. Obina, réfléchis. Réfléchis un peu. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne me fais pas ça. Je t'aime, s'il te plaît. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je te promets de te rendre heureuse. Je te promets, s'il te plaît. Obina, tu as toujours dit que tu m'aimes, mais tu ne penses pas à mon bonheur. S'il te plaît, Obina, mon amour, s'il te plaît. Allez, je t'aime. Lâche-moi, ne me quitte pas, s'il te plaît. Je vais mourir, s'il te plaît. Arrête. Ne me laisse pas, lâche-moi. Ne me laisse pas. Hein? S'il te plaît. Lâche-moi, allez. Hey, hey.
Obidin, tu es très pauvre, je ne peux me marier avec toi. Juste regarde. Regarde l'état de la maison. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je vienne vivre avec toi dans ces taudis. Oh mon Dieu, voyez-moi cette idiote. Elle a bien fait de partir. Qu'elle ne remette plus jamais ses pieds dans cette maison. Foutaise. Qu'elle remette ses pieds ici, elle verra. Neka. Neka, tu aurais dû voir comment Obina pleurait. Et alors? J'étais obligée de fuir. Tu as bien fait, non? Ha! Alors Choma, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Je lui ai dit exactement ce que tu m'avais demandé. Hein? Quelle était sa réponse? Dis quelque chose, non? Du non, je ne peux pas l'épouser. Et j'ai répondu non, je ne peux pas me marier avec lui. Alors, je lui ai dit que je l'aimais. Et j'aime aussi le prince. Mais je ne saurais pas me marier avec lui à cause de son statut. Parce qu'il est très pauvre. Hein? Hey! Tu as dit ça? Ma chérie, maintenant tu as parlé. Hey! Ma meilleure amie va devenir reine. Ma chérie, je te dis, tu vas devenir la lole de ce village. Hein? Ma reine, qu'est-ce que je peux vous offrir? Allons à l'intérieur. Je suis très contente pour toi. Oh, viens ma chérie. Faut pas t'inquiéter. Emeka? Monsieur. Emeka, je crois et tu sais que bientôt tu vas devenir complètement mon beau-fils. Mais ce qui est en train de refaire surface maintenant me met en confusion. Je n'arrive plus à rien comprendre. Qu'est-ce que tu as à dire? Monsieur, voici ce que je dis. Mon point est très clair. Je ne veux plus épouser ta fille. Oh. Amy, s'il te plaît, mon père a un problème de santé. Pourquoi peux-tu dire ce genre de choses devant lui, hein? Ok, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais de mal? Absolument rien, jusqu'à ce que nous ne sommes pas destinés l'un à l'autre. Mais Emeka, tu dois quand même avoir une Emeka. Je ne veux plus me marier. Point barre. Emeka, hey, Nam, papa. Papa, tu ne l'as pas entendu. Pourquoi tu ne l'as pas stoppé? Tu l'as laissé partir. Non, pourquoi ma papa soeur, hein? Calme-toi. Calme-toi, ma soeur. Calme-toi. Allez, je crois que cet homme n'est pas fait pour toi. Hein? Mais oui. J'ai entendu tout ce qu'il t'a dit. T'inquiète pas, ma soeur. Ton homme viendra. Isioma, qu'est-ce que tu dis? Isioma, dans trois jours, c'est ça, ça devait être mon mariage et il fait rompre la relation. Allez, non, mais c'est pas vrai. Arrête, non, non, s'il te plaît. Non, c'est pas vrai. Arrête, s'il te plaît. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que Meka va agir ainsi? Et surtout sans aucune raison, ce n'est pas bien. Hein? Oh, prince. Salut, Ichoma. Comment ça va? Je vais bien, mon prince. J'avais appris que vous étiez venu la fois passée. Oui. J'étais venu pour te chercher. Malheureusement, tu étais introuvable. J'étais avec la princesse. Je crois que tout va bien. Oui, tout va bien, mon prince. Ok. Prends place. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Choma. Mon prince. Mon amour. C'est à propos de nous deux. Notre mariage. Notre plan du mariage. Depuis la mort de mon père, le roi. Le trône est vide.
Et de ce fait, le peuple a besoin d'avoir un autre roi. Et tu sais que je suis le premier-né. Et j'ai besoin d'une femme. Et certes, c'est sur toi que j'ai jeté mon dévolu. Mon amour, est-ce la raison pour laquelle vous m'avez appelé? Exactement. Le trône et le peuple peuvent attendre. Parce que je ne suis pas prête. Pour combien de temps seras-tu prête, Chuma? S'il y a quelque chose qui dérange, dis-moi. J'ai juste besoin un peu de temps, c'est tout. Mais s'il se fait que vous êtes impatient, alors vous ferez mieux de trouver une autre personne parce que je ne suis pas prête. Désolée, je crois que je dois partir. Neka, je suis tellement confuse. Je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe avec le prince? Il aurait dû être marié maintenant. C'est quoi son problème? Bien, pour moi aussi, je pense que le prince est très mature pour connaître ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il n'a pas encore vu qui épouser, qui sait? Je pense que dans quelques jours, il pourra toujours trouver une solution. Bien, voyons voir. Neka, vous êtes là? Amaka, je rentre pour finir ce que j'étais en train de faire, hein, comme Neka est là, d'accord? Neka. Le prince m'avait appelé. Ah! Ah! Timo! Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais répondu par un non. Quoi? Je lui ai demandé de me donner un peu de temps. Mais le temps pour quoi? Tu mens. Choma, c'est faux. N'est-ce pas toi qui m'avais dit que tu avais déjà parlé avec Obina pour lui dire que tu vas pas te marier à lui et que tu vas épouser le prince? Alors. Neka, c'est pas si facile comme tu le penses. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Qu'est-ce qui n'est pas facile? Hein, dis-moi un peu s'il te plaît. Choma, j'ai déjà fini d'arranger tous mes effets. Oh. J'irai avec toi au palais. Choma, je ne pourrai plus déballer mes effets maintenant. Ça ne sera pas possible. Alors écoute-moi très bien. Tu dois rentrer chez le prince et dis-lui que tu étais confuse ou je ne sais pas quoi. Tu vas les marier. Dis-lui ça. Neka, s'il te plaît. Arrête de me dire ce genre de choses. Écoute-moi, Choma. Si tu ne vas pas dire au prince maintenant, sache-le que notre amitié va prendre fin. Chizo. Oui. Écoute, hein. Si mon téléphone sonne, viens m'appeler chez moi. Quant à toi, Choma, n'ose plus jamais me parler dans ta vie. Tu m'as bien entendu. Ah, Neka, on ne peut quand même pas en arriver là. Hein? Allez, Neka, s'il te plaît, reviens. Neka, écoute. Hey, le prince veut épouser Choma. Choma ne veut pas de lui. Hey. Mon Dieu, j'aurais su être à sa place. Vraiment. Le prince. Udoka. Udoka. Princesse. À quoi penses-tu? Tu es là depuis un moment? Ça, ce n'est pas la réponse à ma question. À quoi penses-tu? Rien.
Les servantes, vous pouvez disposer. Il n'y a que moi et toi ici. Est-ce que tu peux me dire maintenant ce qui te dérange? Est-ce que tu peux te mettre? Udoka, qu'est-ce qui t'inquiète? C'est à propos de ton amie. Elle était ici juste hier et j'avais saisi l'opportunité pour lui demander sa main. Mais elle a rejeté ma proposition. Mais pourquoi? Je crois que c'est ton ami. Pourquoi est-ce que tu ne trouves pas la raison? D'accord. Viens. Je vais lui rendre visite. Parler avec elle pour savoir son problème. Je verrai comment le régler. Tu sais combien je suis doux pour elle. S'il te plaît, considère que cela soit fait. Oui, je sais. D'accord. Change d'abord ton humeur. Hein? Essaie de sourire un peu. Détends-toi un peu. J'ai un truc de drôle à te raconter. À condition que tu me donnes un sourire. Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu dois d'abord me corrompre. Tu dois me donner un sourire. Ok, finalement tu l'as eu. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est? D'accord. Bien, je vais te le dire. Alors, pourquoi on ne fait pas un tour le long de la parcelle? Bien, je suis partante. Chioma. Oui. Ma princesse. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ma princesse, vous m'avez soufflé. Je le ferai encore et encore. Ce n'est pas à cause de cette chose. À cause de ces crétins. À cause de ces vauriens qui n'ont même pas de personnalité. Que tu as rejeté l'offre de mon frère, c'est faux rien. C'était désolé, je suis désolée, ma princesse. C'est donc comme ça ta vie. Regarde la personne avec qui tu te mêles. Un idiot, gaillard zéro, de basse classe. Crétin! Qu'est-ce que tu cherches? Tu sais que mon frère t'aime énormément. Il est devenu désemparé juste à cause de toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ma princesse, ça ne se produira plus. Je suis désolée. Ça ne se produira pas? Si tu veux que je te pardonne, épouse mon frère. Oui. Si tu veux qu'on reste amis, épouse mon frère. Je vais y penser. Je te donne 2 jours. Je vais être fixée dans 2 jours. C'est la condition pour moi pour qu'on reste amis. Je me rendais chez toi à la maison. Tu viens de gâcher ma journée. Le mieux pour moi serait de rentrer chez moi. Je préfère rentrer. Tu as gâché mon humeur. Obi! Obi! Obina! Obi! Ma princesse,
Ça fait longtemps que je voulais te poser cette question, mais je crois que c'est le moment approprié pour le faire. Ça fait un an maintenant que le roi nous a quittés pour rejoindre ses ancêtres. Et le trône demeure vacant. Et le prince demeure célibataire jusqu'à ce moment. Et il n'est pas possible que le prince monte le trône sans être marié. Et étant donné que la fille qu'il avait l'intention d'épouser l'a déçue, je suis de l'opinion que je lui personnellement choisirai une femme, c'est-à-dire lui trouver quelqu'une qui le rendra digne de monter le trône et nous donner un bon leadership. Que penses-tu de mon opinion? C'est par erreur que tu me poses cette question. Ouais. Qui t'a donné le droit de chercher une femme pour le prince? Oncle, hein? Je ne sais pas ce que tu poursuis dans ces palais. Faites attention. N'essayez plus jamais de toute votre vie m'arrêter pour me poser des questions stupides. Je crois que je me suis bien fait comprendre. N'importe quoi. Mais ma princesse, quel est son problème? L'oncle veut donc que le prince épouse la fille de son ami. Mais qu'est-ce qui est aussi dur pour mon ami Chuma d'épouser le prince? Je ne laisserai pas l'oncle de ruiner mes plans. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois agir très vite. Je dois aller voir Chuma pour la supplier d'épouser mon frère. Que tu puisses me disgracer de cette façon. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter cette humiliation? Dieu, c'était seulement en ces lieux. Oui, 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 c'est ici que tu m'avais dit que tu vas m'épouser, oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Juste 3 jours pour notre mariage, Emeka. Tu m'as laissé pour une autre femme. Pourquoi? Dis-moi un peu, ne suis-je pas belle? Ne suis-je pas belle? Dis-moi, mon Dieu, ne suis-je pas belle? Dis-moi, je ne... Jeune femme, qu'est-ce que je suis en train de faire toute seule ici, pleurant? Mes salutations, votre majesté. Salut. Pourquoi pleures-tu? Rien du tout. Je vais bien, il n'y a rien. Tu es sûre que ça va? Je vais bien, je vais bien. Je dois partir, je vais très bien. Merci. Tu es sûr qu'elle va bien? Je ne sais pas, mon prince. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas du tout bien, ça. Exact, mon prince. On part.
Emeka, s'il te plaît, j'aimerais te parler de quelque chose. Tu dois me promettre que tu ne feras pas un scandale après avoir entendu cela. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte, Neka. Ah! Tu es enceinte? Wow! C'est une bonne nouvelle! Oh, je suis très contente pour toi! Je suis très contente pour toi! Neka, calme-toi d'abord, je t'en prie. Calme-toi. Je suis enceinte d'Obina. C'est pas la grossesse du prince. Attends. Tu veux dire que tu es enceinte de... De ces bons à rien? Hey, Choma, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu malade? Tu es vraiment enceinte de ce monsieur? Tu es enceinte de... Donc tu as ouvert tes jambes pour ces... Pour cet insensé? Tu vois ce que tu as fait? Tu as perdu tes chances de devenir Lolo de ce roi royaume. Mais hey, je vais te casser la tête. Est-ce que tu vas bien? Ah! Tu es bête, toi! Neka! Neka! Mais qu'est-ce que je me suis fait? Ouais, Jésus! Mais qu'est-ce que je me suis fait? Neka! Dis-moi, dis-moi pourquoi tu pleures. Parle-moi, je suis ton ami, dis-moi pourquoi tu pleures. Dis-moi, arrête de pleurer, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Ma princesse, je suis enceinte d'Obina. Quoi? Oui. Ça veut dire quoi que tu portes l'enfant d'Obina? Mais dis-moi, comment peux-tu faire ça? Hein? Et que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, ma princesse. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dis-moi, quand tu écartais tes jambes pour ces vauriens, tu ne mesurais pas les conséquences. Regarde-toi. Regarde le résultat. J'étais prévenue, mais tu ne voulais pas écouter. Regarde où tu en es. Maintenant, tu ne vas plus épouser mon frère. C'est ce que tu voulais. Ma princesse, je vous en prie. Vous devez faire quelque chose. Pitié. Pitié, ma princesse, je vous en prie. Aidez-moi. Faites quelque chose. Chemin, ce n'est pas moi. Mon frère s'est marié dans les deux jours qui viennent. Ma princesse. Mon oncle a trouvé une femme pour lui. Je vous en prie, aidez-moi. Utilisez votre pouvoir à ma faveur. Aidez-moi, je vous en prie. Ne me faites pas ça. Pitié. Allez, lève-toi. 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 Tentons de faire quelque chose. Allez, approche. Neka, Neka. Ogini, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, est-ce que tu as vu Ichima? Depuis longtemps, je la cherche, je ne l'ai pas vue. Est-ce que tu as pu la voir aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu demandes Choma? Ai-je l'apparence de Choma? Dis-moi. Je ne comprends pas, je demande juste si tu l'as vue. Arrête-toi là, arrête! Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Oh bien, je pensais que la pauvreté était ton seul problème. Mais c'est ce que je comprends maintenant là. Je comprends que même la stupidité fait partie de ta vie. C'est vraiment sous la liste de tous tes problèmes. N'ose plus jamais dans ta vie m'arrêter pour me poser des questions stupides. Si tu oses un jour le faire, je vais te déshonorer et déshonorer tes ancêtres. N'ose plus jamais le faire, je te dis la vérité. Je n'arrive pas à comprendre, c'est à moi que tu parles comme ça. C'est pas toi que je parle, t'inquiète. Oh. Ce n'est pas toi que je parle. Je parle à tes ancêtres. Je t'avertis dans ce village, Obina. Je t'avertis dans ce village, oh. N'ose plus m'arrêter pour des questions stupides. N'ose plus jamais, je te dis. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi, non? Je n'ai fait que te demander si tu as vu Choma aujourd'hui. Parce que je n'ai pas pu la voir. Mais qu'est-ce que tu dis là? Regarde-toi juste. Tu n'as rien de bon à faire dans ta vie. Si tu manques à faire, va même nettoyer tes vêtements. Hein? Je t'avertis, oh. N'ose plus jamais me provoquer dans ta vie, je te dis la vérité. Regarde-toi, tu ressembles à je ne sais qui, n'importe quoi. Mais attends, c'est à moi que tu parles là? Je ne comprends pas. Hey,
Je ne comprends rien du tout. Ce n'est pas possible. C'est moi qui l'ai traité de tout ça. Hé, Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi que je blâme. Je ne te blâme même pas. Parce que je t'ai posé une question. D'abord, dis-moi, hein, tu es qui dans ce village? Tu es qui dans ce village? Personne ne se soutient lui-même. Quelque chose doit certainement le soutenir. Bien sûr. Et je dois aller directement au point. Laisse-moi te dire pourquoi je suis là. Oui, allez, je vous écoute. Hein. Mon neveu, le prince de cette ville, veut épouser ta fille. Hein? Ma fille? Ta fille. Elle veut épouser ma fille? Le prince veut épouser ta fille. Mon neveu, oui. Ne te dérange pas. Tu sais quoi? Juste quand tu es entré ici, mon esprit me disait que le trône ne marche que pendant la journée pour rien. Il doit y avoir une très importante raison pour laquelle tu es ici. Et regarde maintenant, je suis heureux. Ouais, tu as raison. Maintenant, laquelle de mes enfants? Parce que vous savez que j'en ai beaucoup. Je m'attendais à cette question. Je veux que tu me demandes d'abord avant que tu ne mentionnes son nom. Oui, elle s'appelle Ogechi. Ogechi, ma fille. Ogechi est celle que mon neveu veut épouser. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Ouais. Ça c'est bien. Si tu le permets, le mariage traditionnel et tout ce qui vient avec, nous voulons tout finir après demain. Dans 2 jours. Il veut que ça soit fait après tout demain. Soit fait. Tout ce qui concerne le mariage, nous sommes préparés. Nous voulons finir tout ce qui concerne le mariage dans 2 jours. Ouais. Vous savez, vous permettre n'est pas un problème. Je veux vous le permettre, mais le problème c'est que. Le problème c'est que c'est quand même un grand problème. C'est une tâche très lourde. Et la possibilité de les faire est un peu difficile. Et si on peut reporter. Mais de toute façon, je reviendrai vers vous. Hein, c'est ce que je voulais entendre. Ok. Vous étiez tous au courant que Maazé s'était décidé de ne plus marier notre sœur. Oui, papa. Il y a quelqu'un qui est venu me dire que le prince de notre royaume est en demande de la main de ma fille. Papa, c'est sérieux? Et c'est laquelle parmi tes deux filles? Oh, devinez. C'est Ogechi. Papa, moi? Oui, ma fille, c'est toi. Comment connaît-il mon nom et chez nous? Alors que je ne lui avais pas dit. Il a dit que c'est il y a très longtemps que le prince avait besoin de toi. Il y a très longtemps. Et présentement, il a besoin de le faire et de le faire correctement. Ok, mon. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, parle-nous. Nous t'écoutons. Regardez-le. Ils sont très contents. Si j'ai dit non, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Surtout ici, Oma. Grande sœur, dis oui, allez. Le prince de ce royaume demande ta main en mariage. Hein? Tu sais ce que cela veut dire? Tu seras la prochaine Lolo de ce royaume. Oh, bien sûr. attendez. Papa, est-ce que tu essayes de me dire que les dieux ont finalement répondu à nos prières? Les dieux ont venant répondu à notre prière. Je l'avais dit. Je le savais. J'ai passé des jours à prier et à jeûner pour ça. Je disais, Seigneur, viens écouter ma prière. Je veux que cette maison change. Cette maison est vraiment vieille. Je vais construire une nouvelle maison. Oui, Dieu est très bon. Finalement. Pouvez-vous imaginer? Regarde-toi, un pas en arrière et honté. Hein? Tu priais et jeûnais? T'as pas honte? Ne vois-tu pas tes amis qui travaillent jour et nuit pour sauver leur famille? Et toi, tu es là pour jeûner et prier pour que Dieu t'envoie un beau frère qui va t'aider à construire la maison de ton père. C'est bon, allez,
S'il te plaît, ok, c'est bien. Ok, tu ma fille. Je peux voir sur ton visage avec des signes que tu n'es pas heureuse. En fait, nous ne te forçons pas à accepter sa mère en mariage. Si tu es d'accord, accepte. Mais si tu n'es pas d'accord, oh, tu ne peux laisser. Ok. Au fait, il ne faut pas te faire la pression. Papa, elle va épouser le prince. Qu'elle le veuille ou pas. Non, papa, non. C'est bon. Calme-toi. C'est bon, papa. Je vois comment vous êtes tous contents. Mon frère et ma soeur sont très contents. Je ne peux pas vous ôter cette joie. Si épouser le prince va vous rendre heureux, alors qui suis-je pour ne pas le faire? Alors je vais épouser le prince. Ok, c'est bien, ma fille. C'est une bonne décision. Et il y a une autre chose qui reste à propos de son message. Il a aussi dit que le prince était en train de guetter ma fille depuis tout ce temps sans que personne ne s'en rende compte. Raison pour laquelle ils sont là, ils en veulent demain, même aujourd'hui, aujourd'hui, oui. Voilà pourquoi ils veulent tout faire, tout ce qui concerne le mariage, après-demain. Ah. Si tôt. Juste après-demain. Oui, c'est bon, oui. Mais pourquoi si vite? Je n'en sais absolument rien. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Oui, c'est bon, n'est-ce pas? C'est bon, n'est-ce pas? Oui. C'est bon. D'accord. Papa, va leur dire. Pas de problème, papa. Dis-leur que nous avons accepté. Ils peuvent venir. Ils peuvent déjà venir. Même demain, ils peuvent venir. Oui. Je les attends même demain. Oui, demain. Même demain. Oui, qu'ils viennent seulement. Oui, je te dis. Mon meilleur ami. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Je t'avais dit la dernière fois que nous serions ici pour le mariage. Dans 2 jours. Oh oui, vous l'avez dit. Et nous sommes venus maintenant. J'arrive. Vous voyez, ces articles que vous voyez ici font tous partie du voyage. Ah oui. C'est après la première étape que nous parlerons de la deuxième étape, qui est très nécessaire en ce moment-là. Merci beaucoup. Donc pour le moment, nous sommes là. Il a été dit que si vous mettez le bracelet sur le poignet, vous n'aurez pas besoin du miroir pour voir ça. Et personne d'autre qu'un aveugle ne peut se porter garant de vous dire qu'il n'y a pas d'huile dans la soupe. Nous savons la raison pour laquelle vous avez amené ça ici. Soyez les bienvenus. Et laissez-moi appeler ma fille. Par appeler ta sœur. Dis-lui qu'il y a des gens qui sont ici. Ouais. Ne vous en faites pas, elle vient bientôt. En réalité, je me souviens de ce que mon père me disait par rapport au mariage. Regarde-toi. Non, on sait rien, je veux juste te raconter l'histoire. Ah, regardez ma fille, combien elle est mignonne. Ça, c'est le miroir de toute la famille. Ma chérie, viens à moi. Je vois, ça c'est vrai. Papa. Regarde-toi, tu peux voir, le prince est là pour toi. Mon neveu. Ce mariage n'aura pas lieu, mon roi. Quoi? Pourquoi? Ma fille porte l'enfant du prince dans son sein. Hein? Djoma. Oui? Comment tu peux être enceinte de moi? Du moment où je ne t'ai jamais touchée. Tu me demandes? Il y a de cela quelques temps, j'étais venue au palais rendre visite à la princesse, mais elle n'était pas là. Je vous avais vu de loin en train de prendre de l'alcool. Alors je m'étais dit de venir vous saluer avant de rentrer à la maison. Vous m'avez demandé de prendre un verre avec vous. Et le matin, je me suis retrouvée nue dans votre lit. Tu mens. Non. Ce n'est pas important. Okay. Ogechi, je te remercie beaucoup pour ta compréhension. Malgré les défis, s'il te plaît, je veux que tu me fasses une faveur. Permets à Ogechi de venir au palais. Prends-moi pas ma parole. Ogechi a déjà accepté le prince et tu as accepté aussi la donner en mariage. Et je suis ton ami. Considère ça. Laisse Ogechi venir au palais. Sans nous prendre beaucoup de temps. Bien, je ferai ceci pour satisfaire à ton neveu. Mais si ma fille doit venir au palais, elle doit venir juste pour le mariage. De tout plaisir. S'il te plaît. Ça va, je suis d'accord avec ça. Je crois que tu comprends où je veux en venir. Je comprends. Je vous remercie. Oui.
Je suis très contente. Nous avons réussi à annuler ce mariage. Oui, ma princesse. Notre plan a vraiment marché. Maintenant, tu es sur la page. Bien, je voulais te parler de quelque chose. Dis-moi, c'est quoi encore le nom de ton insensé d'ami? Oh, ok. Obina. Obina. Qu'en est-il de lui? Oui. Il doit être de notre côté. Rassure-toi de le mettre de notre côté pour qu'il ne vienne pas nous gâcher le plan. Si c'est réellement ce que vous voulez, princesse, je le ferai. D'accord, c'est bon. Je te laisse maintenant, je m'en vais. Oui. À tantôt. Bye. Au revoir. Que fait cette chose ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Comment la ferais-tu venir au palais sans mon consentement? Pourquoi? C'est pas amusant, c'est pas amusant. Qui es-tu? Pour que je cherche ta permission dans ces palais avant de faire quoi que ce soit. Qui es-tu? Hein? Oncle, tu oublies qui je suis? Je suis la princesse de ce royaume. Mes paroles sont et restent irrévocables. Qu'il dit? Qu'il dit? Je te demande qui le dit. Pourquoi l'amènerais-tu au palais sans mon consentement? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Parle! Oncle, elle est malade. Elle porte dans ses entrailles le sang royal. Elle est enceinte du prince. Et toi et moi savons que le sang royal ne peut pas rester en dehors du palais. C'est donc moi, la princesse, qui l'a amenée pour qu'elle vive avec nous ici au palais. As-tu un problème avec ça? Et moi je dis pas question, parce que le prince est marié. Écoute, le prince est marié. Ogechi est sa femme. Simple. C'est ça la vérité. Donc, pas question. Ogechi est ceci. Ogechi est cela. Oncle, tu sais bien que Ogechi n'était pas marié à mon frère. Ce mariage était annulé à cause de ce bébé qui est dans son sein. Ogechi n'est pas la femme de mon frère. C'est elle qui porte la couronne. Oui, de ce royaume, et elle doit rester ici. Et tu ne peux m'arrêter en aucun cas. Tu me connais bien. Si tu veux avoir ta vie sauve et celle de cette fille, reste loin de cette affaire. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Les paroles et les femmes. Non, pas dans ce palais. Non! Je ne comprends pas pourquoi la princesse fait ça. Non, je veux dire que tu ne sais pas. Y a-t-il quelque chose que tu connais dont tu ne vas pas parler? Et si tu penses que la princesse veut que le prince soit son ami, tu ne le sais pas. C'est pour cette raison que la princesse voulait que le prince puisse épouser Ichoma. Ma chère, tu as raison. Sais-tu que l'enfant qui est dans le ventre de Ichoma n'appartient pas au prince? C'est pour Obina. Et notre chère princesse est bien au courant. Comment sais-tu cela? Ma chère, tu n'es pas au courant. J'entends tout et je sais tout ce qui s'est passé dans ce palais. J'ai des oreilles attentives. Je te dis. Que le Dieu nous épargne. La princesse que tout le monde connaît. Ta princesse, comment peut-elle faire ça à son propre frère? Allons-y, allons-y, viens vite.
papa. Pourquoi est-ce que tu ne me comprends pas? Je ne veux plus rester dans ce palais. Je ne veux plus rester si je veux rentrer chez nous avec toi. Je ne suis pas à l'aise dans ce palais. Je ne le suis pas. Peux-tu imaginer que c'est lorsque tu es venu qu'on m'a permis d'entrer dans la maison? Je ne vis pas avec eux dans cette maison. Je vis là-bas avec le garde. Je ne reste même pas avec le prince. Alors qu'est-ce que je fais ici? C'est quel genre de mariage? S'il te plaît, je veux rentrer avec toi. Ma fille, écoute. Ces choses ressemblent des filles pour mesurer votre foi, votre diligence, c'est votre foi, voire même votre obédience pour voir comment vous devez rester dans ce palais. S'il te plaît, écoute-moi. Pour tout ce que je peux déclarer, même si quelqu'un essaye de grimper sur un cocotier au coin, on ne peut pas le voir. Je sais ce que je suis en train de chercher. Un bon renom est mieux que de l'or. Meilleur que de l'argent et de l'or. Mieux que des diamants. Ma fille, écoute la voix de ton père. La voix de la sagesse. Ça te payera. Reste ici. Oui. Ma fille, Ichoma, prends soin de ta soeur. Okay. Tenez bon. Oui, rappelle-toi, tu es seule pour elle ici. Oui, papa. La seule avec qui elle est restée ici, c'est toi. Pas de problème. Je dois déjà partir. Il fera bientôt noir. D'accord. Prends soin de toi, okay, ma fille. Mon départ, papa. Je t'aime. D'accord, je t'aime aussi. Bon aller, papa. Allons-y, ma soeur, pardon. S'il te plaît. Oh non, je n'ai vraiment pas. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ton appel était très urgent. J'espère que tout va bien. Grande sœur, quelque chose ne va pas. Et qu'est-ce que ça peut être? Je pense que la princesse Ichoma cache quelque chose. Caché? Oui. Quelque chose comme quoi? Je ne sais pas. J'en sais rien, mais je vais chercher à le découvrir. FBI, CIA, ici au moins. S'il te plaît, j'aimerais te supplier. Fais beaucoup attention. Je ne t'arrête pas de faire des investigations. Mais s'il te plaît, fais beaucoup, beaucoup attention. Ok? Alors va à la maison préparer pour papa. Je suis à l'intérieur. Voyez-moi celle-là. Ah, heureux de te voir. Obina. Obina, chérie. Merci. Je t'aime aussi. S'il te plaît. Tu disais quelque chose autrefois et cela m'a vraiment beaucoup dérangé. Qu'est-ce que c'est? Tu disais que je ne devais pas m'inquiéter pour la princesse. Est-ce que tu veux me dire que la princesse est aussi dans ce jeu-là? Oui. Oui? Quand je me marierai au prince et donnerai naissance à un enfant, cet enfant essuiera les larmes de la famille royale. Et mon enfant sera le prochain roi de ce royaume. Et toi, tu seras le père du roi. Alors nous vivrons ensemble, comme mari et femme. Oui. Non, attends. Tu essayes de me dire que depuis tous ces temps, tu préparais tous ces plans et tu les faisais toute seule. Alors laisse-moi te dire que j'ai un très bon plan pour nous déchirer. Est-ce que tu essayes de me dire que la princesse est au courant de ton plan? Ton plan de le tuer? Elle veut juste que je sois la reine. Pendant qu'elle sera en train de gouverner comme la reine mère de ce royaume. Voilà pourquoi j'ai été veillée derrière moi. Je veux devenir la reine. Et moi seule.
es-tu de ma soeur? Est-ce que tu vas bien? À la place de penser à ton bonheur, tu parles de ta soeur. Oh, Bina, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, c'est bon. C'est bon. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va. Ça va. Ça va. C'est bon, chérie. Je suis maintenant prête à te dire que je suis 100% prête à te soutenir. Tu as tout mon soutien à 100%. Ouais. Obina, mon amour. Obina, tu sais que je t'aime beaucoup. Et tu sais que je t'aime aussi. Allez, allez, fais-moi un câlin. Approche. Je sais que tu es confus par rapport à cette situation. Je me tiens à côté de Tioma juste parce qu'elle porte ton enfant. Je ne suis pas sûr. Parce qu'il est clair pour moi que cette grossesse n'est pas mienne. Ça veut dire que tu ne me crois pas? Je te crois, bien sûr. Mais je n'ai pas confiance en elle. Tu dois la faire confiance. Au moins à cause de l'enfant qu'elle porte. Qu'en est-il d'Ogeji? Tu dois renvoyer Ogeji dans sa famille. Rappelle-toi, c'est toi le prochain roi. Et tu sais que je ne peux pas. Tu sais combien je l'aime. Pas de problème. La seule raison qui me pousse à laisser Tioma ici, ce n'est rien d'autre que la grossesse. Et aussitôt qu'elle aura donné naissance, elle devra partir. Il n'y a pas de problème, mon frère. Tu sais combien je t'aime. On va tout gérer, il n'y a pas de souci. C'est moi ton unique sœur. J'ai toujours été là pour toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, princesse. Tioma. Comment tu peux être aussi folle? Princesse, vous m'avez giflé. Je le ferai encore et encore. Qu'est-ce que ces garçons des fauriens fait dans ces palais? Ne t'ai-je pas averti à propos de lui? Ma princesse. Ferme ta sale bouche! Tu ne peux parler qu'ici, je te donne la permission. Ferme ta bouche. Tu es un rien. Un gaillard zéro. Tu n'es qu'un crétin. Tu n'as pas de père. Qui t'a donné l'autorisation d'entrer jusqu'ici? Qui? Je suis désolée, ma princesse. Désolée. Il voulait juste m'aider avec... Ferme-la! Ferme ta sale bouche! Je sais d'effacer tes erreurs. Et tu es là, en train d'en commettre encore d'autres. N'as-tu pas honte de toi-même? Toi, tu as donné accès à cet idiot dans ce palais. En quoi êtes-vous utile? Je ne sais pas, ma princesse. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu sais de me dire? Qu'est-ce que tu veux me raconter?
maintenant, la prochaine fois que vous le laisserez entrer, la prochaine fois que ce vaurien mettra ses pieds ici, la prochaine fois que ce bourreau expérimenté mettra ses pieds dans ce palais, j'aurai vos têtes sur un plateau. Rebecca, comment tu vas? Bien, ouais, merci. Okay. Je partais chez toi. Chez moi? Oui. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Ok. La princesse veut te voir au palais cette nuit. Moi, la princesse, veut me voir. D'accord, dis-lui que je serai là, ok? Puisque tu as dit qu'il n'y a aucun problème. Oh. Non, 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 il n'y a pas de problème. Ok, dis-lui que je viendrai. D'accord, je m'en vais alors. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, prends bien soin de toi. Okay. D'accord, merci. Bye. Ça? Comment est-ce que le prince peut appeler Ogechi à ma présence sa reine? Tu l'as causé. C'est de ta faute. Oui, je sais. Montons un autre plan. D'accord, ma princesse. Laisse-moi le temps de réfléchir. Viens m'excuser. Mon prince, je suis très heureux. Merci beaucoup d'avoir accepté ma fille. Il n'y a pas de problème. Le plaisir est partagé. Ma reine? Mais je suis confié du fait que je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. Si, tu l'as prise. Tu as pris une bonne décision. Tu es un tel homme. Je ne sais pas comment. Personne, absolument personne ne peut te remplacer. Merci énormément. Bon, je pense que je dois déjà vous laisser. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ça, c'est le genre d'homme que je voulais. Est-ce que je peux imaginer la manière dont il s'adressait à la princesse, hein? Ça, il est tellement certain qu'il a le contrôle de tout le palais. Il l'a prouvé maintenant. Papa, moi aussi, je suis très contente. Oui! Je suis heureuse. Merci beaucoup. Ma princesse, je suis juste venu savoir comment tu te portes. Tu viens faire quoi ici? Savoir comment ma princesse se porte. Tu aurais dû y penser avant de me disgracier devant tout le monde. Tu m'as manqué de respect à cause de cette commande mortelle. C'est ma femme. Elle n'est pas encore ta femme. Ce qu'elle a fait, c'est une abomination. Elle a commis une abomination et tu le sais bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est la raison pour laquelle tu es venu demander de me pardonner. Je sais combien tu m'aimes et combien mon bonheur est une préoccupation pour toi. Je suis profondément désolé.
D'accord, il n'y a pas de souci. Je te pardonne. Merci beaucoup. Viens. Viens, j'ai quelque chose de très spécial pour toi. Viens. Ma, s'il te plaît, ne te fâche pas contre moi, hein? Je voulais te poser une question. Comment est-ce qu'Emeka a pu entrer au palais la fois dernière? La princesse m'avait demandé de l'appeler. La princesse t'a demandé d'appeler Emeka? Ah, Ma. Ma, nous sommes des amis. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein, écoute, c'est... Sais-tu la raison pour laquelle la princesse l'avait appelée? Isioma, je ne sais pas. Ma, n'est-ce pas que nous sommes amis? Pourquoi tu réagis comme ça? D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Tu peux t'en aller. Allez. La princesse t'a demandé d'appeler Emeka. Je dois savoir ce qui se complote. Tu as cette position de quelqu'un qui a perdu l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je réfléchissais. À propos de quoi? À propos de ce qui t'est arrivé la fois passée. Mon esprit me dit que la princesse est responsable de ce qui t'est arrivé. Oui, je cherche juste le preuve. Je cherche quelque chose qui va prouver cela. Izzy, arrête. Je te supplie d'arrêter. Pourquoi? Parce que si tu découvres la vérité, tu ne vas aussi rien faire. Même si tu découvres la vérité, le prince ne peut pas te croire. Ranzor, mais tu sais que je dis la vérité. Elle est responsable de ce qui t'est arrivé la fois passée. Ok, écoute, c'est elle qui avait invité Emeka au palais. Peux-tu imaginer cela? Izzy, je sais tout ça. Je sais. Et c'est pour ça que je demande d'arrêter. Hein? Nous devons faire attention avec ces gens. S'il te plaît. Ok, si tu l'as dit, pas de problème. Laisse-moi aller prendre le bidon pour que j'aille. Oh, où est-ce que tu vas? Tu vas aller faire le commérage? Ou tu veux aller ressembler à la maison de ton père? Hein? Il y a l'eau au robinet, juste ouvrir et épouser de l'eau. Assieds-toi ici. Assieds-toi d'abord. T'inquiète. Mets-toi d'abord et tout ça. Raconte d'abord une histoire. Je t'écoute. Ogechi. Chioma. Aujourd'hui, tu viens chez moi à 7h de la nuit. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Hein? Ok, je suis venue te demander quelque chose. Et tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est au sujet du prince et moi. Ok, je sais que le prince t'aime beaucoup. Mais pense à l'enfant que je porte. S'il te plaît, je t'en prie, pour l'amour du ciel. Laisse le prince tranquille. Laisse-le pour moi. Pitié. Ne l'éloigne pas de cet enfant. Pitié. Mon enfant dans le ventre a besoin de son amour et de son attention. Ok, tu as grandi avec ton père.
Et tu sais ce que veut dire l'amour d'un père aux yeux de tes enfants. J'espère que tu comprends. Pouvez-vous imaginer qu'elle a cru à mon mensonge? Oui, je te l'avais dit. Mon frère me fait confiance au prix de sa vie. Oh, dites-moi, princesse, qu'est-ce que je vais faire avec cette grossesse? Tu n'as rien à faire. Après tout, le bébé est pour toi et Obina. Toujours ton bébé, donc il n'y a pas de souci. Je suis très contente. Donc, dans seulement 2 jours, je serai couronnée la reine de ce royaume. Oh oui, c'est vrai. Et je resterai la reine aux commandes. Oui, bien sûr. Tu vas t'asseoir sur ce trône. Le trône est mien. Juste attends voir comment je vais vous effacer, toi et ta famille. Pendant que Obina et moi, nous allons diriger ce royaume. Oh, la prochaine Lolo. Et ma reine-mère, parce que c'est ce que vous êtes. Très bon. Un verre de jus. Mais où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Attends. Merci, Tila. Qu'y a-t-il? Oncle, c'est Choma et la princesse. Choma et la princesse? Oui, oncle. Il a quoi? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Oncle, tu ne vas pas croire ce qui se passe. La grossesse de Choma n'est pas pour le prince. Ça appartient à Obina. C'est Obina qui en est l'auteur. Et le pire dans ça, c'est que la princesse est au courant. Elle le sait. En est au courant. Oui. Elle manigance ces choses à cause du trône. Juste à cause du trône. Je ne comprends pas ça. Ogechi. Dans ce royaume, aucune fille ne possède aucun héritage. Aucun dans la maison de son père. Sauf si la fille est l'enfant unique des parents. Okay. Ce qui veut dire qu'elle a le droit au fait qu'elle hérite tout dans la maison. Donc, c'est pourquoi elle fait de tout son mieux pour ruiner son frère. Que Dieu nous en épargne. Sans effet, tout fait à quoi? C'est pourquoi? Quel genre de sœur est-elle? C'est quelle méchanceté qu'elle a?
Comment peut-elle faire cela à son propre sang? Keiji, la princesse, ne veut pas reconnaître qui que ce soit. Elle s'en fout. C'est ça. C'est pourquoi mon feu frère, le roi, voulait toujours que j'aie les yeux sur elle, la surveille. Elle était audacieuse et noire de rage. Noire de rage. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute personne née avec cette marque a l'esprit de meurtre. Ah, mon Dieu. L'esprit de destruction. Que Dieu nous en épargne. Écoute, et la princesse en question est un diable en forme humaine. Ah. Yeah, 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 yeah. Mazé, qu'est-ce qu'on va donc faire? Hein? Il n'y a rien qu'on puisse faire que de leur arracher le trône. Leur arracher le trône, ouais. C'est la seule solution. Ah, oncle, ça c'est très difficile, oh. C'est très difficile. Je ne saurais pas. Si tu aimes vraiment le prince, tu dois le faire. Tu dois le faire. Ah, hey. Mais mon Dieu, dans quel pétrin je me suis introduit. Qu'est-ce que je veux faire avec? Ouais, c'est ça la question. Oncle. Avec ça? Tu m'entends? Avec ça, tu peux faire une proclamation sur le trône. C'est ça. Et le trône devient tien. Oh! Es-tu sûr à propos? Oncle, es-tu sûr à propos? Ah! Oh, Ogechi! Ogechi! Ah, oh, Ogechi, qu'est-ce que tu vas faire? Arrêtez de perdre votre temps. Oui. Parce que cette cérémonie n'aura pas lieu. J'ai déjà le sceptre. Qui est le symbole de la royauté dans ces royaumes. Et ça veut dire que j'ai déjà le bâton du commandement. Moi, Ogechi Wandemba, je suis la prochaine reine de ce royaume. Vous avez très bien entendu. Je le suis. Alors faites gaffe. J'ai gâché mes plans. Non. Non. Certainement mon oncle a une main mise là-dedans. Oh, Seigneur. Non. C'est très évident qu'il a déjà oublié comment j'ai tué son frère. Le roi et la reine. Comment oses-tu te pointer sur ma route? Comment oses-tu être un obstacle pour moi? Comment oses-tu? Je sais ce qu'il faut faire. Je vais te renvoyer à la rencontre de tes ancêtres. Même s'il faut donner la tête du prince pour ses trônes, je le ferai. Je suis prête. Oui! Princesse! Princesse, faites quelque chose à propos d'Ogechi. J'ai besoin de rester seule. Laisse-moi seule. Mais ma princesse... J'ai dit que j'ai besoin de rester seule. Va-t'en.
Attends. Oh, ok, tu peux pas me dire que tu m'as insulté jusqu'à ce point. Pourquoi peux-tu faire une telle chose au prince? Pourquoi? Tu es une disgrâce pour cette famille. Papa. Tu es une disgrâce. Papa, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Qu'as-tu donc à expliquer? Que veux-tu donc t'expliquer? Que peut être la raison de cette... Oh, Getty, tu m'as tué. Papa, c'est bon. Tu m'as tué. Papa, c'est bon. Papa, c'est bon. C'est bon. Okechi. Okechi. Tu es une honte pour notre famille. Tu es une honte pour nous. Retiens très bien mes paroles. Laisse-moi te donner ma parole. À partir de maintenant, tu n'es plus du tout ma fille. Oh, oui. Nam. Je l'ai dit et ça restera ainsi. Nam, papa. Nam. Nam. Papa. Papa. Grande sœur, s'il te plaît. Mets-toi, ça va aller. Tu calmes. Hein? Mets-toi. Mets-toi, ça va aller. Je suis sûre qu'il me passera très fier de toi quand il connaîtra l'histoire. Hey, c'est mon grand Dieu. Sœur. Mon s'il Dieu, plaît, je manque de mots. Tu dois te calmer. Je suis sans mots. Ça va aller. Hey, mon Dieu, pourquoi calme-toi, tout ceci? Calme-toi, je t'en prie, écoute-moi. Hey, qu'est-ce que je veux il donc faire? Il va te comprendre. Hey, mon Dieu, pas jusque-là, ma sœur. Il te comprendra quand il saura la vérité. Garde. Oui, monsieur. Va m'appeler Ogechi. Tout de suite. Oncle. Assieds-toi. Merci. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, merci. J'espère que tu te portes bien. Tu es en forme. Je vais bien, monsieur. Je voulais juste te dire que je suis très reconnaissante envers toi, tu vois, ce que tu avais fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Princesse. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu avec elle? Ogechi, retourne chez toi. Je t'ai averti à maintes reprises de t'éloigner de moi et des enfants de mon frère. Oncle! Qu'est-ce que tu fais ici? Je crois que ce n'est pas ce à quoi je pense. J'espère que... Va-t'en! Va-t'en! Idiote! Ma princesse, il n'y a rien. Rien. C'est comme je l'ai dit avant. Je crois que ce n'est pas ce à quoi je pense. Je crois que tu ne planifies pas de me faire du mal, toi et cette idiote. Princesse, rien ne se passe. Il n'y a rien, princesse. Tu me connais assez. Tu sais ce que je suis capable de faire. Ne me pousse pas. Ne me pousse pas au-delà de mes limites. Ma princesse, il n'y a rien qui Excuse-moi. Se passe. Excuse-moi. La princesse a ruiné notre plan. Elle a tout gâché. Mais personne n'empêchera que mon fils soit le prochain roi de ce royaume. Même pas cette princesse. Attends, Bina, attends. J'ai pas envie d'écouter ça, s'il te plaît. Peux-tu me dire, s'il te plaît, c'est quoi ton prochain plan? Je ne sais pas. Je n'ai pas de plan. Aucun. Mais la seule façon pour la princesse de s'asseoir sur ce trône est de tuer ma sœur. Une fois qu'elle est morte, le prince ne va pas t'épouser et je vais la tuer. C'est tout. C'est tout ce à quoi je pense maintenant. S'il te plaît, Obina. Alors, qu'en est-il de la princesse? Qu'en est-il de la princesse? Dis-moi. Ok, je suis d'accord. Ta soeur va mourir. Alors, qu'en est-il de la princesse?
Pourquoi tu me regardes comme ça? Parle. Oh, Bina. Allez, approche, approche. Oh, Bina. Tu vois? Regarde, c'est pour ça que je suis très fière de toi. Je t'ai dit, je t'aime. Waouh, tu es maintenant énorme. Quoi? Allez, oh, Bina. Comment est-ce que je vais le faire? Comment? Les princes sont en colère contre moi. Ils ne veulent même pas me voir ou entendre quelque chose provenant de moi. Comment est-ce que je vais faire à propos? Ça me rend très malade. Je sais, grande sœur. Mais nous devons dire la vérité au prince. À propos de ce que Choma et la princesse essayent de faire. Et tu penses qu'il va te croire? C'est son sang. Il ne va jamais te croire, je te dis. Ça, c'est vrai. Ogechi a raison. Il ne va jamais le croire. Alors comment allons-nous faire éclater la vérité? Comment allons-nous faire? Je pense que j'ai une idée. Dis-nous. Nous allons trouver quelqu'un à utiliser afin que la vérité soit révélée au prince pour qu'il croie. Ouais, et cette personne doit être l'œil de Dieu, pas n'importe quelle personne. Ouais. Salut, l'œil de Dieu. Salut, ma princesse. Tu peux t'asseoir. Que peut bien faire la princesse dans mon sanctuaire? J'ai une requête à faire. Que veux-tu que Abolique fasse pour toi? Je veux le trône. Hein? Oui, je vais diriger comme roi dans ce royaume. Ma princesse, tu sais qu'une femme ne peut monter au trône comme le roi. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi? C'est une abomination. Je sais que tu peux le faire. Vas-y. Fais de moi un roi. Une fois sur le trône, je ferai de toi mon roi. Et moi, je serai ta reine. Est-ce là une promesse? Que devient le prince? Détourne son cœur et celui de sa femme Ogechi du trône. Fais en sorte qu'ils deviennent mes sujets. Ma princesse, les dieux ont écouté ta requête. Tu peux retourner au palais. Pars.
Pourquoi personne ne me répond? Oncle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Princesse, nous sommes sortis et avons vu le corps d'Isioma par terre. Comment? Comment est-ce possible? Les gardes, qui peut faire ça? Chez toi. Oh, c'est vrai ça? Oui. Ma chère, il y a un sérieux problème. Isioma a été assassinée aujourd'hui au palais. Oh mon Dieu, es-tu sérieuse? Et qu'est-ce que la princesse et le prince ont fait à propos? Je ne sais pas, ils font des enquêtes. Oh mon Dieu, vraiment. J'ai pitié de cette fille, cette pauvre. Tu étais venue me voir, n'est-ce pas? Alors, entrons dans la maison, viens. D'accord. Désolé, mon ami, pour ce qui t'est arrivé. Très, très désolé pour la mort de ta fille. Merci beaucoup. Tu sais, il a toujours été dit qu'une mouche te tue. Finis avec le cadavre dans le cercueil. J'ai essayé de ramener tous les sens de ma fille en place. Ainsi éviter cela. Je lui avais demandé de stopper d'aller au palais. Arrête d'aller là-bas, pour l'amour de Dieu. Mais c'est sur base de sa bêtise. Allez continuer à aller là-bas, regarde la situation, regarde ça. C'est compliqué. Papa, j'aimerais sincèrement m'excuser pour la mort de ma sœur. Je suis vraiment très désolée du plus profond de mon cœur. Je suis désolée qu'elle soit morte auprès de moi. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est pourquoi nous devons les exposer. Nous devons les exposer. De quoi parles-tu? Papa, rien du tout. Ne le suis pas. Ogechi n'a pas pris le trône. C'est moi qui lui ai donné le sceptre. J'ai fait ça à cause de la princesse. Ouais, la princesse voulait le trône par tous les moyens. Tout le monde dans cette ville sait que la princesse est mauvaise. Un être humain est sensible et méchant. La princesse a tué mon frère, le roi. Le roi? La princesse a tué la reine. Pourquoi me le dire maintenant? C'est maintenant que je te le dis parce que je n'avais jamais voulu te le dire, pas du tout, en premier lieu, parce qu'elle voulait que ça soit juste entre nous deux seuls. Toi. Mais tu refuses de croire à mon amour. Je sais que tu m'aimes, mais la question que je me pose est pourquoi tu m'avais quitté. Tu je m'as quitté. Pas et... quitté. Si, tu l'as fait. Ah. Hmm? Êtes-vous surprise de me voir? Dis-moi, pourquoi tu l'as tué? Tué? Réponds-moi! Comment oses-tu me poser la question? Pourquoi tu l'as tué? Princesse, essayez-vous d'insinuer que nous avons tué Isioma? N'osez pas me mentir. Pourquoi tu as tué Isioma?
Princesse, vous savez très bien que je ne pourrai pas faire ça. Qu'en est-il de lui? Princesse, tu crois que je peux tuer ma propre sœur? Ferme ta bouche. Princesse, essayez-vous de dire qu'il a tué sa propre sœur? Sa propre sœur? Non, ma princesse, Robina ne peut pas faire ça. Écoute-moi, toi fou. La prochaine fois, quand je te parle, toi tu ne parles pas. J'ai tué mes propres parents. De mes propres mains. Donc, tout le monde peut le faire. Je me fiche de tout ce que vous faites tous les deux. Mais sachez le bien que mes yeux sont sur vous. Mes yeux sont sur vous. Sachez les bien. Mais comment nous a trouvé ici? Je ne sais pas. Et puis elle a dit, elle a tué ses propres parents. Chineke, je t'avais dit, n'est-ce pas que je te l'avais dit, Obina? Cette fille est vraiment compliquée. Je t'avais dit. Princesse, ma princesse, ton frère, le prince, et sa femme, Ogechi, ont décidé de laisser le trône pour toi. Donc, le trône t'appartient. Comment? Que s'est-il passé? Rien ne s'est passé. Ils sont venus chez moi ce matin et ont transmis le message que c'est ce qu'ils voulaient. Ils veulent que tu prennes le trône. Donc, le trône t'appartient maintenant. Oh, ma princesse, tu ne dis rien. Ou bien... tu ne veux plus le trône? C'est bon, oncle. Tu m'as déjà fait parvenir le message. J'ai besoin d'être seul. Ah, d'accord. Oh mon Dieu! Aisez-moi. Tu l'as fait. Comme convenu. Oui, le trône est mien. Hugo, tu penses que la princesse a quelque chose à voir avec la mort d'Isioma? Tu dois vraiment avoir raison. Oui, parce qu'un enfant qui est capable de tuer ses propres parents est capable de tout faire aussi pour le trône. C'est tout le monde dans ce royaume qui sait que la princesse avait tué ses parents. Mais cette fois-ci, elle est innocente. Innocente mon œil. Innocente mon œil. Tu sais cette fille-là, je la déteste de tout mon cœur. Elle est vraiment méchante. On peut me l'envoyer dans la forêt maudite. Ça m'est égal. Hugo. Méchante. Laisse-moi les servir à manger la princesse. S'il te plaît. Je n'ai pas besoin de ça. Vous avez de la chance. Je suis de bonne humeur. Merci, ma princesse. Mais la prochaine fois, ne vous mêlez pas. Merci. Où sont les gardes?
accompagner le prince à l'extérieur. Et où est Ma? Elle est à l'intérieur, ma princesse. Allez l'appeler pour moi. Oui, ma princesse. D'accord, je te les dirai. Le prince et Ogechi se sont décidés de me donner le trône. Donc, dans peu de jours, je serai assise sur ce trône, comme le roi qui va diriger cette communauté. Ça ne peut se faire. Le trône est à moi et à moi seule. Qu'est-ce qui se passe? N'es-tu pas contente pour moi? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Je suis préoccupée que par ces trônes. Ah? Hugo, mais qui te poursuit? N'avais-tu pas entendu? Entendre quoi? J'ai appris que la princesse est sur le point de devenir roi de ce royaume. Hugo, tu commences encore! Mais où est-ce que tu as entendu ce genre d'abomination? J'ai entendu la princesse le dire à Choma. Va écouter. Hugo, es-tu vraiment sûre de ça? Je suis très sûre. Ok, moi je m'en vais. Oh. Mais pourquoi? Je dois agir vite. Nous devons faire vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la princesse. Dans 3 jours, elle sera couronnée. 3 jours. Elle deviendra la reine. Oh, mon Dieu. Et... Alors, que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas. Et tu me démontres, Mina? Hein? C'est moi qui devais être sur ses trônes et pas elle. Il ne reste plus que 3 jours. Et si on l'a tué? Le prochain roi ne devrait être personne d'autre que notre fils. Oui. Non. Pourquoi ne pas la demander de disparaître et ne plus revenir dans ce royaume? Ok. C'est bien. Je le ferai. Mais s'il te plaît, il faut que tu te rassures de prendre soin de l'autre enfant que tu portes. Ok. Pas de problème. Je le ferai. Juste pars. Pars. J'ai pas envie qu'on nous voit ensemble, s'il te plaît. C'est moi qui serai la reine, et pas la princesse. C'est mon trône. Non, c'est moi.
Ozoma. Hein? La fois passée, c'est Izioma qui était tuée au palais. Et maintenant, c'est la princesse qui a été kidnappée. Jésus, es-tu sérieuse? Je t'ai dit. Mais comment c'est arrivé? Mais le pire dans tout, c'est que aujourd'hui, c'est le jour du couronnement. Oui, oui, je sais. Ma chère, deux hommes étaient venus au palais et ils sont partis avec la princesse. Oh mon Dieu, ça c'est sérieux. Ah, comment ça s'est passé, non? Je ne sais pas, ma sœur. Ah, oh mon Dieu, ça c'est incroyable. On aurait tout vu dans ce monde. Allons-y vite. Olako. Oui, ma reine. As-tu préparé au goût ce que je t'avais demandé? Oui, ma reine. Alors, à propos d'autres choses que je t'avais demandé avant? J'ai tout fait. Mon amour? Où est-ce que tu vas? Je vais à la recherche de ma princesse. Mon amour? Tu es le prince de ce royaume et ce palais est sous ta responsabilité. Alors laisse le garde faire leur travail. Laisse-le aller à la recherche de la princesse. N'oublie pas que c'est ma sœur, mon unique sœur, le prochain roi du royaume. Et je dois aller la chercher. Pardonne-moi, tu as vraiment dit la vérité. Alors laisse-moi partir ensemble avec toi. Ne t'en fais pas. Laisse les gardes faire leur travail. S'il te plaît, sois prudent. Hein? Viens avec moi à l'intérieur. Je n'arrive pas à croire que Getcha rejoint le prince pour aller chercher la princesse qui a disparu. Je ne comprends pas. Alors tu penses que qui peut être derrière cette affaire? Je ne sais pas. Mais est-ce que tu as vu Isioma aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu. Tu sais, je pense que Shoma a une mainmise dans cette affaire, franchement. Oui. En tout cas, ça doit être vrai. Ah, cette fille. Je le pense aussi. Tout ce qu'elle veut, c'est se marier au prince. Tu dois vraiment avoir raison. Cette fille-là, cette Shoma-là. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Tais-toi. Moi, je vous prie. Pardon. Pitié. Viens là. Je ne fuirai pas. Je vous prie, pardon. Ok. Attends. C'est d'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous demander quelque chose. Pouvez-vous me laisser partir? Je vous prie pardon. Vous savez, aujourd'hui c'est un jour important de ma vie. S'il vous plaît, vous savez bien qui je suis la princesse de ce royaume. Je vais vous récompenser, laissez-moi partir, je vous prie pardon. Je t'ai déjà dit, tais-toi! Tu veux nous récompenser? Qui veux-tu récompenser? Garde un œil sur elle. Je reviens. Bien, patron. S'il vous plaît, est-ce que tu peux m'enlever ces bandeaux sur le visage? Ça me fait très mal. Je ne fuirai pas d'ici. J'ai mal aux yeux. Je peux les tuer maintenant. Non. J'ai promis à mon père de ne plus jamais ôter la vie humaine. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois faire quelque chose avant que l'herbande ne soit au complet.
Mon prince, nous avons cherché partout. Mais il n'y a aucun signe de la princesse. Qu'est-ce que tu veux dire, mon prince? On a cherché partout. Mais il y a une forte personne. Mais, non, mais vous êtes sérieux là? La princesse n'est pas retrouvée. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mon prince, est-ce qu'on peut retourner au palais? Je crois fermement qu'elle est là-bas. Mais commence à fermer. On s'en va. Obina. Chema. Où est la princesse? Je te démontre où est la princesse. Réponds, où est la princesse? Elle s'est échappée. Oh mon Dieu. Obina. Où? Comment? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment rien du tout. Je viens d'arriver et on me dit aussi qu'elle s'est échappée. Je suis surpris aussi. Non, tu ne peux pas me dire ça, Obina. Obina, pourquoi tu ne peux rien faire correctement? Comment peux-tu me dire que la princesse a disparu? Comment? Est-ce de ma faute? Est-ce de ma faute? Est-ce que nous avons planifié ensemble? Obina, tu ne peux pas me dire ça. C'est bon, Chioma, c'est bon. Il faut que tu retournes au palais, s'il te plaît. Moi-même, personnellement, je veux la chercher partout où elle est. Non! Je veux la tuer. Obina, tu ne peux pas me dire ça. C'est bon. Tu ne peux pas me raconter ça. Je le ferai. J'ai besoin de voir la princesse. Je dois la voir tout de suite. C'est bon. Vas-y. Obina, tu dois trouver la princesse. Je dis que tu je dois le ferai. La retrouver. Fais tout ce que tu peux pour la retrouver. S'il te plaît, fais vite. Je vais la voir. Je vais la voir. Pour cette fois, je vais vraiment la tuer. Tout ce que je sais, que tu dois retrouver la princesse maintenant. D'accord, Obina. S'il te plaît, cette fois, on doit la voir. Ma princesse, la nourriture est prête. Appelle-moi Ichoma. Oui, ma princesse. Princesse m'avait appelé. Le garde. Disposez maintenant. Chioma, comment oses-tu? Ma princesse, mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi tu as osé envoyer Obina pour me kidnapper? Hey! Ma princesse, comment pouvez-vous dire ça à mon sujet? N'essaie pas de jouer d'ignorante. Non, ma princesse, ne me faites pas ça. Fais tes bagages. De guerpilles de ce palais. Ma princesse, s'il vous plaît. Ma princesse, je n'ai rien fait, rien. Je suis innocente. Si tu insistes. S'il vous plaît, ma princesse. Dieu, pitié, ma princesse. Je ne veux pas seulement me charger de toi. Mais je dirai à tout le royaume ce que tu as fait. Tu me connais assez. Tu sais de quoi je suis capable. Ne me pousse pas au-delà de ma patience. Chez toi, vraiment, la tuer. Personne ne peut me prendre ses trônes. Mais pas elle. Obina, nous avons un problème. Ça signifie quoi, il y a un problème? La princesse sait que j'étais derrière son kidnapping. Comment elle sait? Tu me poses la question? Tu lui dis quelque chose? Réfléchissons à une solution. Mais comment elle a appris que tu l'as kidnappé? Je ne sais pas, Obina, je ne sais pas.
Tu vois. Je t'avais dit. Il faut tuer cette fille afin qu'elle sorte de notre vie. Pour de bon. Oui. Oui, il faut la tuer. Oui. Tu dois la tuer cette fois-ci. Obina, pas d'erreur. Obina, tu dois le faire cette fois-ci. Je rentre vite au palais. Je pars. Obina, pas d'erreur, s'il te plaît. Et par rapport à celui qui a eu une idée sur ça. Et je veux savoir aussi tout le détail. Et pouvoir arranger ce qui a été détruit. Tous, nous avons besoin de connaître la vérité. Princesse. Oui. Je sais que tout le monde dans ce royaume, de même que dans ces palais, se disent qui est la princesse. Est responsable de tout ce qui arrive au palais. Udoka, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait de mal. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais commencer à te dire une vérité. C'est que l'enfant que tu m'apportes n'est pas ton enfant. Hey. Je le savais. Mon amour, je le savais très bien, depuis très longtemps, je le savais bien. J'avais cru en toi. Choma, est-ce vrai? J'ai encore une chose. Choma et Obina ont tué ta sœur et la serpente. Hein? T'avais tué qui? Ici au goût. C'est qui? Tu as tué ma soeur? Tu avais tué ma soeur? Ok, ça va. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. T'inquiète pas, non. Assieds-toi. C'est pas vrai. Non. Ok, assieds-toi. C'est pas vrai. Non. Assieds-toi là-bas. Continue. C'est aussi Choma et Obina qui ont envoyé des criminels pour me kidnapper. Udoka. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Où penses-tu que tu vas? Reviens. Assieds-toi ici. Toi, assieds-toi ici. Je l'ai dit. Udoka. J'arrive. Mon prince, finalement, c'est prouvé. Maintenant, je crois que quoi qu'il monte doit redescendre. Tu ne peux pas enseigner la nature. Tu ne peux pas tromper la nature. Pense à tous les maux que tu as faits. Princesse, tu l'as vu? Les soupçons des gens à ton sujet sont devenus vrais. Tu es méchante. Tu es mauvaise. Et toi? Néanmoins, mon prince, je te permets de dire ce que tu penses. Que penses-tu faire? Ici, mon unique sœur. Mon unique sœur. Princesse, je t'ai fait confiance durant toute ma vie. Et ça, c'est ce que tu me restitues. De toutes les façons, ma vengeance restera. Obina et Choma,
nous allons vous traduire en justice. Et du moment où nous parlons, la police est derrière vous pour vous arrêter. Pitié, mon prince. Et princesse qui agit ainsi devient un sujet ordinaire. Et ce, pendant 3 ans. Et si je lève cette séance. Et ainsi soit-il. Ainsi soit-il.